Marion Rousse et Julien Alaphilippe ont passé un tendre moment après la course en ligne masculine des Jeux Olympiques de Paris 2024 à l'Ichoux de la Clole. Deux Français se sont hissés sur le podium. Arrivé à 9 secondes seulement d'une médaille, Julien Alaphilippe a pu retrouver la maman de son fils Nino, consultant pour France Télévisions, qui l'attendait à la fin de la course. 11e au classement à l'Ichoux de la course en ligne masculine organisée le 3 août 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, Julien Alaphilippe a pu retrouver sa compagne Marion Rousse sur la ligne d'arrivée. À 9 secondes du podium, le cycliste a trouvé du réconfort auprès de celle qui lui a permis de devenir papa. Le couple a un fils Nino né en 2021, et a passé de longues minutes à lui prendre la main affectueusement. Quelques minutes auparavant, Marion Rousse se trouvait aux côtés de Laurent Jalabert pour commenter ensemble cette course en direct sur l'antenne de France Télévisions. L'ancienne cycliste professionnelle occupe le poste de consultante depuis plusieurs années maintenant. « Je suis content », confie-t-il à sa compagne qui le félicite pour la belle course qu'il vient de réaliser. « Bravo », l'entend-on ainsi souffler aux sportifs. Lors de cette course, Remco Evenepoel est arrivé en tête suivi des Français Valentin Madouas et Christophe Laporte qui ont ainsi ramené l'argent et le bronze à l'équipe de France. Marion et Julien, ensemble malgré les épreuves. Interviewé par Michel Drucker dans le dernier numéro de la saison de Vivement Dimanche consacré au Tour de France, Marion Rousse avait récemment révélé avoir vécu une période délicate avec son compagnon après sa terrible chute lors de la course Liège-Bastogne-Liège. Suite à l'accident de Julien, Marion Rousse a dû affronter des moments compliqués avec le père de son enfant, forcé à se reposer. J'essayais de le rassurer, de le réconforter, mais au bout de 2 ans, je n'arrivais plus à trouver les bons mots. J'étais tout autant affectée que lui. Je pense que Nino, notre petit garçon, nous a beaucoup aidés à traverser cette sale période. Une période compliquée désormais loin derrière le couple qui rayonne à nouveau.